c'est pas ma journée. Alors, j'ai deux pistolets de mort. J'ai ma machine à laver qui a cramé. Il y avait de la fumée dans toute ma baraque. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Elle va être terrible. Vous n'êtes pas prêts pour la voiture qu'on est en train de faire. On en a eu des beaux bébés. Mais là, c'est déjà un beau bébé de base. Mais avec ce qui a été fait dessus. Voilà, je ne veux pas vous en parler plus. Je tenais surtout à vous remercier, on a eu encore un gros pic d'abonnement, on a pris 40 abonnés en une journée, c'est énorme. Encore merci, donc continuez à vous abonner, ça fait super plaisir. La chaîne elle commence à bien se dépatouiller là en ce moment, du coup ça commence à se connaître un peu le full deep, on est content. Donc là, il est très tôt, alors d'habitude à cette heure là on dort, hein, sachez-le. Mais là, c'est une voiture spéciale avec un timing spécial, avec plein de trucs spécifiques. C'est une Porsche Cayman. Oh, je vais pas montrer. C'est un Porsche Turbo S, si je dis pas de conneries. Le Cayenne Turbo S. Sauf que le monsieur qui me l'a ramené, donc déjà il est de Paris. Il a fait quasiment 3 heures de route pour venir me la ramener. Il me suivait sur YouTube, il m'a dit écoute, c'est toi que je veux qu'il fasse ma voiture. Pourtant, des full deep, il y en a plein qui le font sur Paris. Il m'a dit je veux que ce soit toi qui fasse ma voiture. Donc le monsieur a fait la route, mais il m'a dit par contre, je peux venir que le dimanche. Enfin, je pouvais venir d'autres jours, mais ça ne collait pas avec mon planning. Il m'a dit il faut que je vienne un dimanche, je te la dépose au matin et je dois repartir au soir. Je fais bah, mais déjà, un Porsche Cayman. Enfin, c'est un Cayenne. C'est pas un Cayman, c'est Porsche Cayenne, c'est déjà énorme. Sur une journée, c'est short. En plus de ça, il me l'a ramené. Il pleut à verse. Donc la voiture était trempée de chez trempée. Depuis 8h30, on est en train de la sécher. Là, il est 9h30. Ça fait une heure qu'on est juste en train de la sécher. Maintenant, on va devoir s'amuser à faire tous les joints à la soufflette et au décapeur thermique pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau. N'oubliez pas, le full dip est hydrophobe. Donc, il ne faut pas une seule goutte d'eau quand vous commencez à peindre. Et ensuite, il y a des détails à bien respecter. Le diffuseur à laisser en noir brillant, la face avant. Mais il y a des spécificités. Donc, je vais vous montrer. Regardez-moi ce bétail. Mon garage fait 8 mètres. Hein. Il me reste 1 mètre là-bas, 1 mètre ici. C'est un truc de fou. Alors, comme vous l'avez vu, il y a plein de retouches carrosserie, mais c'est parce que le monsieur a fait importer de Dubaï un kit carrosserie. Alors, je crois que ça s'appelle le kit carrosserie Magnum. Je sais pas. Donc, moi, je me nique. C'est une voiture qui est pas du tout dans mes moyens, donc ne me demandez pas ce qu'il y a dessus. Je ne m'intéresse même pas à ce genre de voiture. Je pourrais même pas me le payer, donc pourquoi je m'intéresserais? C'est des voitures, regardez, le kit carrosserie qui a été fait dessus. Donc là, je vais vous faire le tour. Bon, désolé, j'ai pas beaucoup de recul. Hein. La voiture, elle prend une place monumentale. Les quatre sorties de peau, le gros pare-choc à l'arrière, là. Oh là là. Donc là, vous avez vu, élargisseur d'aile, tout le tour. Tout refait, nickel. Oh purée. Donc vous avez vu, il me reste encore ici à terminer de. Donc vous voyez, on a pas fini. On est loin d'avoir terminé. Hein, et on doit la rendre pour ce soir. Hein. Donc vous voyez ici, donc élargisseur d'air. Alors le capot. Mon dieu, avec les. Oh, cette larme là. Oh, c'est tellement. Alors c'est un détail, mais je trouve ça magnifique. Et alors ce pare-choc. Ce pare-choc. Mon dieu. Alors là, vous vous rendez pas compte parce que je suis de près, je ne peux pas reculer, il y a un mur derrière moi. Mais ce pare-choc est monstrueux. J'ai vu le mec arriver. Fou. On l'a entendu surtout, oui, parce qu'elle fait un beau petit bruit. Mais ce pare-choc, alors, il va laisser tous les détails là en noir brillant. Donc on va devoir s'amuser à tout calfeutrer. Sachant que ça doit être un kit en fibre de verre parce que, en fait, vous n'avez pas de délimitation. C'est quelque chose qui a été créé avec du collant. Alors là, on va s'amuser à tout calfeutrer, on va rigoler. Et après, bon, le monsieur, il y a un petit délire, il va reboucher ça et il va mettre le logo Batman ici. Il m'a dit, Vincent, tu es fou, mais il dit moi aussi. J'ai dit, tu n'as pas encore vu ma petite Smart Rose. Bon, allez, on va pas trop parler dans cette vidéo, on va se dépêcher parce qu'on n'a qu'une journée pour la faire, on doit la rendre pour ce soir et demain, on part en vacances. Donc voilà. Bon, il n'y a personne qui a deviné pour la voiture. Hein. J'ai dit que c'était une Porsche, mais il n'y a personne qui a deviné. Allez, bon, je vais essayer de vous prendre le plus loin possible pour vous la montrer en. Pff, oh ouais, on voit pas grand chose, mais on voit déjà que c'est monstrueux. Hein. Oh l'avant. Allez, on vous montre ça tout de suite.
Arrêtez 2 secondes. Bon, on va vous montrer. Là, on est en train de tout sécher. Il est 10h30. On n'a pas encore fini de sécher tout ce qui était les recoins, les intérieurs de rétro, au niveau des joints et des jonctions et tout. Par contre, beau bébé. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau. Donc là, Déborah, là, encore en train de. Encore sur ton téléphone? Avec qui tu parles? C'est qui ce David? Travis? Quoi? J'essaie de. Non, je suis en train de prévenir que la machine elle a pété. Ouais, alors on vient de rentrer à la maison. Il y avait de la fumée partout. Notre machine à laver était en train de cramer. Alors je vois pas mes chiens en rentrant. Ils s'étaient réfugiés en haut. Je suis dit, putain, mais c'est quoi cette fumée? Et ça pue. En fait, le problème, c'est que là, on est en train d'aérer, on peut plus rentrer à la maison. Hein? Donc, on est censé partir en vacances demain, on est en train de laver le linge. La machine à laver est en train de cramer. Super. Bah, mais ça, c'est notre côté pas de bol, là, nous. Vous allez comprendre qu'on n'a pas de chance dans la vie, nous. On est. Oh, c'est pas qu'on n'a pas de chance. La vie nous donne des défis. On doit les relever. Mais regardez ces cernes. La vie, là, faut qu'elle commence à se calmer sérieusement parce que j'en en peux plus. Donc, je pense que mon père, il va venir chercher notre linge après pour que ma mère, Je elle suis sûre puisse que le même faire le avant. jour où. Mais enfin, allez, on va commencer à attaquer le 4x4 d'ici peu de temps. Je pense que vers midi, purée, il y a quand même 3h30 juste à, comment dire, à retirer les. L'eau, quoi, parce que c'est vraiment. Alors, c'est bien, hein, c'est des belles bêtes, hein, mais purée, le nombre de détails qu'il y a dans ces voitures, c'est impressionnant. Puis en plus, les joints de porte et tout, ça reste une voiture qui est quand même. Qui a, je sais pas de quelle année elle est exactement, mais je crois que ça doit être des modèles de 2007-2008, ça, je crois. Et du coup, les joints, ils sont plus aussi étanches qu'au début et tout. Du coup, c'est chiant parce que l'eau, elle s'infiltre de partout. Mais bon, on n'est pas là pour se plaindre. On est en train de le faire. L'objectif, c'est de la terminer pour ce soir. Allez, à tout de suite. Fallait que ça m'arrive le jour où j'ai pas le temps. Ce putain de pistolet n'a pas fait 3 voitures. Il est déjà mort. Il fuit de partout. Alors je l'ai démonté. Il y a un problème d'étanchéité. Voilà. Hein, c'est les risques du métier, comme on dit. Voilà, ça me fait vraiment chier. Parce qu'au prix où je les paye, ça me fait chier. Mais bon, ça va, j'en ai 3 d'avance. Encore heureux. Mais là, franchement, je suis dégoûté. Faut que ça m'arrive en plus sur une voiture comme. Enfin, peu importe la voiture, en fait, ça aurait pu être une Clio 1 que ça m'aurait énervé tout autant de me dire que là, elle a même pas fait 3 voitures ce pistolet. Putain, là, je suis dégoûté. Pourtant, il va nettement mieux que mon ancien. Mais. Ouais, voilà. S'il va que pour 3 voitures, c'est pas rentable. Hein. Non, bon, voilà, je me suis plaint. Voilà, ça y est, je commence à. Putain, pire qu'une gonzesse. Oh, je vais m'attirer des foudres là. Ça va des bois, les bois là. Allez! Bon, je monte vite fait comme ça. Oups! Pas trop non plus. Hein. T'as qu'à rester jusqu'à la fin de la vidéo, salopio, va. Allez, je vous montre ça tout à l'heure. Bon, c'est pas ma journée. Alors, j'ai 2 pistolets de mort. J'ai ma machine à laver qui a cramé. Il y avait de la fumée dans toute ma baraque. Mes 2 ventilos, Déborah me les a cassés. On n'a pas de linge pour partir en vacances. La voiture derrière moi n'est pas terminée parce que je n'ai plus d'électricité dans ce putain de garage. Il y a une putain de coupure de courant depuis je ne sais combien de temps. Et j'ai ma toiture qui est en train de s'envoler. J'en ai plein le cul. Ce n'est pas ma journée. Soyez gentils dans les commentaires. Abonnez-vous parce que là, il me faut du réconfort. Sinon, la prochaine qui y passe, tu vas mourir! Bon, la voiture est terminée malgré toutes les galères qu'on a eues. Elle est finie. C'était compliqué. Bon, vous allez voir, elle a une petite tache sur le côté parce que j'ai de frotter à la jette, j'ai mis mes doigts tout blanc dessus. Du coup, c'est pas une tache sur la voiture, c'est moi qui viens de frotter. Et ensuite, il y a encore le diffuseur arrière, comme il va passer en noir brillant, je ne l'ai pas fait, donc vous allez voir encore qu'il y a du mastic en bas. C'est pas un oubli, c'est juste que le monsieur m'a dit. Mets le pas en, comment dire, en dit, vu qu'il va repasser en carrosserie pour le passer en noir brillant. Du coup, c'est pour ça. Parce que il y en a qui vont dire, mais attends, t'as oublié un morceau. Je sais, il y en a, ils sont tatillons dans les commentaires. Bon, après, c'est marrant. Moi, ça m'amuse. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors là, par contre, je veux des gènes, hein, parce que ce genre de voiture, ce monsieur, il m'a dit, attention,
Moi, je viens de Paris, j'ai des beaux petits bébés à te ramener. Normalement, alors je vais pas m'avancer trop vite parce qu'après, bon, c'est comme je dis, fais déjà la tienne, regarde si t'aimes bien et tout ce qui s'ensuit parce qu'une vidéo c'est pas pareil et tout. Et par la suite, il m'a dit, je peux te ramener des beaux bébés. Du coup, bon, voilà, il était super content du résultat. Encore une fois, bah, ça fait plaisir. Il est parti faire un tour, il est parti à la piscine et tout. Enfin, il m'a fait marrer, on a encore parlé. Mon père il est venu, ils ont tapé discute avec mon père pendant au moins 1 heure et demie tout à l'heure. Parce que bah, du coup, j'ai pris du retard sur la voiture du fait que j'ai eu que des couilles aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'était pas ma journée. Mais coûte que coûte, on l'a sorti la voiture. Je lui ai dit, tu auras ta voiture avant ce soir. Il l'a eu avant ce soir. Il fait nuit, du coup, on a sorti la voiture pour prendre rapidement une vidéo. Mais après, on a fait les finitions et 2-3 bricoles juste après. Mais franchement, voilà, super content. Et bon, ben, je vais pas parler plus. Je vous montre ça tout de suite. Allez.